vous arrivez pile à l'heure pour le thé. Joignez-vous à nous. Vraiment? Non, parce que à ma montre, il est que 13h. Ma montre indique 16h. Chapelier, votre montre est arrêtée, elle indique toujours 16h. Il est donc toujours l'heure du thé. Mais c'est insensé. Les seules choses qui sont insensées sont celles qui n'ont pas de sens. Pour le coup, ça c'est tout à fait sensé. Je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Oh non! Hors de question. Il n'y a pas de place pour vous. Mais enfin, Chapelier, vous venez de l'inviter à prendre le thé avec nous. Et en plus, il y a plein de place autour de la table. C'est très malpoli de s'asseoir sans y avoir été invité. Oui, bah c'est très malpoli d'inviter quelqu'un à prendre le thé puis de changer d'avis quelques secondes après. Voulez-vous un peu de thé? Ah bah oui, volontiers. Eh bien, servez-vous. Chapelier! Alice! Laissez tomber, je vais me servir. Qu'êtes-vous venu faire ici? Eh bien, je me baladais et j'ai trouvé cette porte. Du coup, je l'ai passée et me voilà. C'est fou! C'est vous qui l'êtes, Chapelier. Joyeux non anniversaire! C'est une chance que je sois tombée sur vous. Du coup, je vais pouvoir continuer mon émission. Une émission? Mais c'est formidable! Je ne vois pas ce qu'il y a de formidable. Mais il n'y a pas thé, en fait, là! Vous ne faites vraiment pas d'efforts. Passons. Alice au Pays des Merveilles est l'adaptation de deux romans écrits par un auteur anglais, au 19e siècle, Carol Lewis. Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, paru en 1865, et La traversée du miroir en 1871. En fait, il a inventé les aventures d'Alice au Pays des Merveilles en 1862, lors d'une balade en barque avec les sœurs Liddle, les filles du doyen du Christ Church College, où il enseigne les mathématiques. Il se lie d'amitié avec ses petites filles et notamment la petite Alice qui lui inspirera les romans. Il se lie d'amitié avec les petites filles? Oui, en fait, il aimait bien se lier d'amitié avec des petites filles qu'il appelait ses petites amies. Et il aimait bien les photographier aussi. Je rêve où vous venez de faire semblant de cracher du thé imaginaire là. Cuillère! Continuez, je vous prie. Étant donné que l'histoire originale est très proche du dessin animé de Disney paru en 1951, je vais directement vous la raconter. L'histoire d'Alice commence alors qu'elle s'ennuie ferme à côté de sa sœur qui est en train de lire un livre. Soudain, un lapin blanc surgit en criant qu'il est très en retard. Du coup, très logiquement, Alice décide de le suivre et tombe dans son terrier. Elle tombe alors pendant des kilomètres et des kilomètres, si bien qu'elle pense même qu'elle va peut-être atteindre le centre de la Terre. Et finalement, elle atterrit sans mal sur un tas de feuilles mortes. Ensuite, elle parcourt un long couloir et arrive dans une petite pièce avec plein de portes et une grande table en verre. Sur la table, il y a une clé. Elle essaye la clé dans toutes les serrures, mais la seule porte qu'elle parvient à ouvrir est tellement petite que Alice ne peut pas la franchir. Du coup, elle trouve une fiole, se met à la boire et rapetisse. Mais elle a oublié la clé sur la table, donc elle ne peut toujours pas ouvrir la porte. Elle trouve donc un gâteau, elle le mange et se met à nouveau à grandir. Mais elle grandit tellement qu'elle devient géante. Désespérée, elle se met à pleurer. C'est presque pareil dans mon histoire. C'est exactement pareil, à vrai dire. Là, ça change un peu. Le lapin passe par là et est tellement surpris de la voir si grande qu'il laisse tomber par terre des gants et un éventail. Alice se saisit de l'éventail, se met à s'éventer et rapetisse à nouveau. Mais elle a encore oublié la clé sur la table. Et en plus de ça, elle tombe dans la mare qui a été formée par les larmes qu'elle a versées quand elle était géante. Elle fit alors la rencontre de nombreux animaux. Ils nagèrent jusqu'au rivage et se mirent à faire la course. Mais cette course n'avait ni point de départ, ni ligne d'arrivée, ni parcours. Le lapin revient de nouveau et ordonne à Alice d'aller lui chercher des gants et un éventail. Alice s'exécute. Dans mon histoire, elle rencontre Tweedledee et Tweedledum. Oui, mais en fait, ces personnages, ils sont dans le deuxième roman, La traversée du miroir, pas dans le premier. Arrivée dans la maison du lapin, elle ne peut pas s'empêcher de boire à nouveau une potion. Et du coup, elle grandit de nouveau. Ah oui, je me souviens! Et même que je suis restée coincée dans la maison tellement j'étais devenue géante. En effet. Et le lapin veut mettre le feu à la maison afin de faire sortir Alice. Mais celle-ci mange un autre gâteau et elle rapetisse de nouveau. Elle sort de la maison, court dans les bois avec la ferme intention de retrouver une taille normale. Et c'est alors qu'elle tombe sur... Des fleurs qui chantent! Une chenille qui fume. Les fleurs qui chantent, c'est dans La traversée du miroir. Après une conversation sans queue ni tête avec la chenille, Alice se met à manger des morceaux de champignons afin de finalement retrouver une taille convenable. En continuant son chemin, Alice arrive dans une maison où la cuisinière lance tout ce qu'elle a sous la main sur la duchesse qui est en train de cajoler un bébé qui hurlait car il toussait à cause de la trop grande quantité de poivre qui flottait dans l'air. J'ai rien compris. Moi non plus. Et puis c'est pas du tout dans mon histoire ça. La duchesse lance le bébé à Alice qui le rattrape. Elle sort de la maison et constate alors qu'en fait il s'agit d'un cochon. Elle laissa alors filer le cochon dans la forêt et c'est alors qu'un chat apparut. Ah oui, je connais ce chat! Il sourit tout le temps. Il sourit et se moque d'Alice, mais il lui conseille néanmoins
une direction à prendre et c'est alors qu'elle arrive à la Tea Party du Chapelier. C'est moi ! Je crois qu'on avait deviné. Et le lièvre de Mars et le Loir sont-ils là aussi ? En effet. Je le savais. La discussion qui s'ensuit autour de la table est totalement insensée. Ça m'étonnerait. Pour le coup, je suis d'accord avec elle. C'est super fatigant de discuter avec vous, Chapelier. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ? Qu'est-ce que je disais ? Moi, je sais ! Parce que Edgar Allan Poe a écrit sur les deux. Finalement, Alice quitta la table, trouva une porte dans un arbre et décida de la passer. Dans mon histoire, c'est un peu différent. À ce moment-là, je vais dans la forêt et je rencontre plein de créatures bizarres, des canards klaxons ou des flamants roses parapluies. Et c'est à ce moment-là que le chat, il réapparaît et me montre la porte dans l'arbre. Eh bien, dans le roman, c'est différent. Finalement, elle se trouva dans un petit jardin qui contenait des rosiers que des cartes à jouer étaient en train de peindre en rouge pour plaire à la reine. La reine arriva alors, ordonna qu'on coupe la tête au jardinier et invita Alice à jouer au croquet. Sauf que les balles sont des hérissons, qu'on les frappe avec un flamant rose et que les arceaux sont des cartes à jouer qui se déplacent pour laisser la reine gagner. Il y a de quoi en perdre la tête. Oui, justement, la reine ordonne de couper la tête de tout le monde. Sauf qu'au fur et à mesure, le roi les gracie. Ouf. La reine demande alors à un griffon d'emmener Alice voir la tortue façon tête de veau. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas dans mon histoire. C'est une tortue façon tête de veau. C'est tellement évident que tu devrais avoir honte de poser la question, ma petite Alice. Et la tortue façon tête de veau leur raconte alors sa triste histoire. Tu vas nous la raconter ? Non. Y a rien de drôle. Puis le griffon emmène Alice au procès. En effet, les tartes de la reine ont été mangées et la reine veut un coupable. Mais le roi veut annoncer la sentence avant d'entendre les plaidoyers et Alice est appelée à la barre en tant que témoin alors qu'elle a rien vu. La reine veut lui trancher la tête pour la punir, mais Alice, qui grandit progressivement, balaye les cartes d'une seule main. Ce procès n'a ni queue ni tête. Oui, comme toute cette histoire d'ailleurs. Et après, on s'étonne que j'ai cru avoir rêvé toute cette histoire. Mais justement, toute cette histoire n'était qu'un rêve. Mais impossible ! Mais si ! Mais non ! Mais si ! Chapelier, vous n'allez pas vous y mettre ! Changeons de conversation ! Dans le dessin animé aussi, c'est un rêve, elle se réveille à la fin. Je peux pas y croire. En revanche, dans ton film sorti en 2010 et réalisé par Tim Burton, avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska et puis plein d'autres acteurs formidables, c'est vrai que c'est pas un rêve. C'est plutôt un souvenir d'enfance. Et d'ailleurs, Alice retourne au Pays des Merveilles, une fois adolescente, pour le délivrer du mal. Vraiment ? C'est une histoire passionnante. Mais enfin, Chapelier, c'est notre histoire ! Je ne vous aime pas ! Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que... Mais enfin, c'est pas une réponse, ça ! Et ce n'est pas poli ! Poli chez Naël ! Allez-vous-en. Je suis vraiment désolée, mais quand il s'énerve comme ça, vaut mieux lui obéir. Bon, bah, je m'en vais par où je suis venue, alors. Au revoir. Je crois qu'il est temps pour moi de me réveiller. Quoi ?